C'est parti pour le sixième match. Donc du coup, bah, j'ai une défaite un peu dégueulasse parce que c'est les serveurs qui m'ont déconnecté apparemment. Et il m'a compté une défaite. Alors voilà. C'est sympa. Enfin, j'ai trouvé un adversaire tout de suite apparemment en tout cas. Voilà Franck, Et là, installez-vous, c'est bonsoir. Bonjour à tous, Porto. c'est Noël donc. Joao Moutinho. Et plus que quelques matchs pour se qualifier pour la coupe. On va marquer, c'est certain. Et ben, ça commence bien. Donc c'est parfait pour tirer un corner. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Le débordement n'est pas passé, ballon récupéré. Bon jaillissement sur cette passe. Ah, ça donne un bon ballon. L'attaque qui est stoppée. Pedretti. Le mec, il a un blessé, il s'arrête même pas de jouer quoi. Bon, en même temps, il a marqué un but. Avec ce but dès le début de la partie. Et derrière, c'est bien la zone. Hulk. Bon, ça produit bien. Ah, c'est bien taclé. Derrière. Ballon. Ouais, il est bien placé. Voilà, recommencer, c'est perdu. Hulk. Il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider. Et là, il prend bien sur cette passe. Ballon. Voilà, le haut. C'est toute la maladie du tacleur fou en fait. Il tacle comme des grands malades, mais bon, bah, apparemment l'arbitre il doit être en train de dormir dans un coin. Il n'y a absolument personne qui vient inquiéter les agresseurs apparemment. Ah, l'endroit qui est pas bon. Ça me fait ses pattes. Oui, ils ont la maladie du tacleur fou, c'est ce que je disais, ils taclent comme des grands malades. Voilà, on va les faire tacler encore. Hein. Attention, pas commettre de faute. Et le bon tacle. Voilà, c'est pas passé. Pas pour la prochaine fois. Le ballon récupéré par FC Porto. Allemand. Il espérait passer sur le côté, mais il s'est fait prendre. Il y a Milo qui récupère. Je colle. Voilà le roux. Ah, dommage, il a passé à Balmont, mais c'est passé direct sur Hazard. C'était un peu trop loin. Intelligent, très réussi, il récupère le ballon. Ballon. Et il est bien pris dans son couloir. Oh, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Oh, quel joli tir! Ouais, bien défendu! Attention, mais ah, il y a des agressions qui ne sont pas sifflées, parce que l'arbitre. Oh, 2-0, c'est la misère! C'est la misère! Je crois que cette 200ème saison va se terminer plus que prévu. Voilà, on peut dire cette interception. C'est la petite file jusqu'au gardien. Et cette action, on n'aura pas plus loin.
Pedretti. Ils vont tenter de déborder par l'aile, peut-être. Pedretti. Allez, mais j'ai mon joueur qui bloque avant tout, mais c'est normal. Arriba qui récupère ce ballon. Elle n'ira pas plus loin. Mathieu Debuchy. Je colle. Le ballon récupère par l'AFC Porto. Excellente récupération sur le côté, ça va repartir. Ah, le contre, attention à sa vitesse de pointe. Ouais, elle est bien partie. Oh, l'hécatombe. C'est l'hécatombe, je fais un match de merde. J'ai même pas fait un tir encore. En fait, les matchs de nuit, c'est pas mieux. Je suis fatigué. Je suis crevé, je fais n'importe quoi. Alors, en plus, avec la défaite que j'ai pris contre Paris, parce que bah parce qu'il s'est barré, puis il y a eu de la triche, ou je sais rien, ou il y a eu une déconnexion de serveur. Bon, bah voilà, quoi. Merci Esport, ou merci mon adversaire qui est très fort et qui a réussi avec quel jeu pour se barrer. Voilà, le micro. Bon, après, je m'en fous, hein, c'est qu'une 200e saison parmi d'autres, quoi. Peut-être le but. Oh, le but, mais ils sont encore loin. Voilà, voilà, au moins un, j'ai sauvé l'honneur. Alors, là, ce but arrive pratiquement dans la foulée du précédent. Et là, ils en ont profité d'un relâchement de l'adversaire, qui avait certainement le corps la faute à son but. Et dès qu'ils récupèrent le ballon perdu par l'adversaire, ils enchaînent et cela va très vite. Et ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Il a bien joué le coup. Il avait bien senti coup. Ouais, j'ai aucune passe qui arrive, j'ai pas de chance. Il y a mes joueurs qui rendent la balle en plus. C'est quand même bien sympathique. Voilà la faute. Le coup de sifflet de monsieur Fouchot-Soc, attention, et pas de carton. C'était bien l'arbitre, mais on se prend plus de carton, c'est pas trop son truc. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Oh là là, il y a rien qui passe, rien du tout. Les joueurs font des conneries. C'est vraiment pas évident parce que j'arrive pas à passer étant donné que mes passes arrivent pas. Regarde Hazard. Eh ouais, le ballon qui circule bien. Regarde Hazard. Oh, ça c'est une bonne balle dans la défense. Oh, c'est parti. Oui, bon. Oh, bah voilà le deuxième, ça remonte. 3-2. Je vous rappelle le score. 3 buts à 2 maintenant. Fernando. Marc Yanko. Et c'est la mi-temps. Oui, on va enchaîner sur la deuxième mi-temps. Un petit tour sur les stats, comme d'habitude. Bon, bah, il est beaucoup plus fort que moi. 6 tirs cadrés, 100% de précision de tir. Et 3 buts. Moi aussi, j'ai 100% de précision de tir. Avec une possession de balle légèrement supérieure, par contre. J'ai pas fait une très bonne mi-temps, mais j'espère me rattraper dans la seconde. Allez, je vais essayer de faire mieux. Parce que maintenant j'ai 3 matchs perdus à cause de déconnexion. Putain, mais franchement, je rage un peu parce que je sentais que Paris était largement à ma portée. Et que j'aurais pu gagner au moins, remporter ce match-là. Et voilà quoi. Il a réussi à, je sais pas, à déconnecter le serveur, j'en sais rien. Ou c'est le. Après, c'est peut-être chez EA Sport que ça a merdé, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais bon, c'est d'autant plus rageant que voilà, j'avais une possibilité de gagner contre Paris. Et puis, je suis en train de remonter tout doucement contre Porto, après avoir pris 3-0 quand même. On revient à 3 partout, on remet un petit peu les pendules à l'heure.
pas non plus croire que les Portugais, je suis un peu un Portugais en fait, que les Portugais vont s'en sortir à si bon compte. Mais c'est un bon joueur, ça c'est clair, un joueur qui joue comme ça, c'est un très bon joueur. Et voilà, mais encore une fois, défensivement, j'ai pas été bon. Et ça va être le score club en tout cas, même si je perds ce match, ça sera un beau match avec des buts pour vous en tout cas. Parce qu'après, bon, ils diront tout que c'est le but, quoi. C'est de voir des belles actions, de savoir des buts. Quoi. Surtout, et sinon, s'il n'y a pas de but, c'est moins joli. Là, pour le coup, il y en a. Ah là là, Balmont qui contrôle très mal ce ballon. Ah, et ça c'est bien défendu, c'était une situation délicate. Là, il n'y avait pas faute. Bon. Il suffit que je dise ça. L'arbitre ne dit rien. Ça c'est pas là que je la mettais. C'était pour Veria. Oh là là, mais les fautes, là, j'ai mes joueurs qui sont explosés par terre. Ils sifflent rien, il n'y a pas d'arbitre. Il y a des moments, c'est comme ça, quoi. Dans FIFA, il n'y a pas d'arbitre. Il y a un. Je sais pas, il y a un problème, il y a un bug. Et il redonne le ballon au gardien. Franck Bayard. J'ai déjà eu des matchs comme ça où l'arbitre était complètement absent. Voilà, encore une faute. Juste au moment où je frappe, personne. Et là, bien sûr, comme je suis en ultra offensif, j'ai plus personne défensivement, et voilà. Et voilà. C'est dommage, hein, en remontant 3 buts, d'en prendre 2 derrière assez bêtement, hein, quand même. C'est comme ça, c'est le jeu, ma point de vue tête. Hein. Après, il est vraiment bon, hein. C'est pas mis. Hein, donc, les joueurs qui sont tapés, qui sont des centres et tout, lui, il fait des tirs. Donc je respecte complètement ce joueur là. C'est une belle lucarne. C'est un bon joueur. Oui, parce que bon, j'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur FIFA qui est au monde, loin de là. C'est simplement que c'est comme si c'était ma 200ème saison, j'ai envie de marquer le coup en faisant une petite série de vidéos. Et puis surtout après l'Euro, ben ça détend quoi. Si je continue à jouer sur UEFA Euro 2012, hein, c'est comme ça. Allez, j'ai claqué 20 euros là-dedans, c'est quand même pas pour jeter aux orties. Je continue à jouer à FIFA en mode Euro UEFA 2012. Ça fait, je vais continuer ma petite série aussi sur le mode expédition, là, où il faut gagner je crois combien de matchs. Voilà, quoi, je vais continuer ces séries-là aussi, y a pas photo quoi, je veux dire. Oh là là. Les joueurs qui se cassent la figure complètement à tous les coins. Ah, il est ralenti. En tout cas, vu les 6, c'était pas évident à juger. Penalty. On réussit à passer. On s'infiltre. On s'accélère. De fait, on nous voit. Oh putain, le match. Le match avec un score fleuve. En tout cas, vous aurez eu des buts, ça c'est le cas de le dire. Vous aurez eu des buts avec des trucs de malade, 5-4. Allez, si je fais égalité déjà, ce sera déjà pas mal. Pour faire un joueur comme ça, je serais content de nous en faire en 3-0 à la mi-temps. Enfin, quasiment, c'est revenu à 3-2 pour la mi-temps. Et c'est rare que j'ai autant de buts quand même dans un match. Oh, putain, j'ai eu du bol. Il y a un décalage de ma défense, mais on s'est fait balader. Ah, il y a faute. Oui, oui, mais monsieur l'arbitre, par moment, se réveille et arrive à signaler 2 ou 3 fautes. Lui, je sais pas d'où il sort et je sais pas d'où il était. Mais je sais pas où il était, mais il était à l'affût pour récupérer le ballon. Mais non, c'est pas là que je la mets. Franck Beria.
Pedretti. Ah, c'est bien donné ça. Oh, quel joli tir! Dommage. Dommage, ce tir était complètement loupé. J'essaye de ne pas tomber de ma chaise. C'est un petit peu dommage. Pedretti. Bah, il y a la place, hein. Mais bon, on va rigoler à mettre. João Moutinho. Pedretti. Oh, bien vu! Allez, faut pas la rater celle-là! Oh là là, il est en jeu. Ah, si je la perds, c'est pas beaucoup. Hein. Bonne interception. La passe, il avait une bonne situation de jeu. Ça joue de la vie. Mais à faute, à faute. Il va me donner la faute. Oh, mais non, mais prends. Il n'y a pas de faute intelligente, mais c'est là, elle est là, en fait. Parce que ça se complique sérieusement là cette fin de match. Ça lui coûte simplement une balle d'égalisation à l'adversaire. Ah là, c'est pas bon. C'est ça le problème quand on joue en ultra offensif, c'est qu'on a personne derrière. Et là. Il se fait reprendre. Ah, la défense a échoué quand même. Allez, on va essayer de trouver une solution. J'ai pas de défenseur. Ah, mais Baza qui tombe. C'est vrai que je change d'habitude, Baza, je le sors à un moment. Là, je l'ai pas fait. Peut-être une erreur. Peut-être une solution ici. Non. Bah, ça va se terminer comme ça, malheureusement, mes amis. J'aurais quand même bien lutté. J'ai quand même bien revenu. Mathieu Debuchy. Ballon. Pedretti. Mais il était plus fort que moi, il faut l'avouer. Oh putain, en deux temps, le but de Hazard. Je remonte 5 partout. À la dernière seconde. Simplement 3 buts d'affilée, c'est superbe. Et tout le monde pensait visiblement que le score était acquis. Et ben, superbe match. Félicitations à mon adversaire. L'arbitre a sifflé. Ah non, putain, je vais super prendre à la dernière seconde. Bon bah voilà, un match d'anthologie, 5 buts partout, 3 buts de Hulk, 1 but de Valera, 1 but de Fernando, on va tout faire voir, j'espère, 3 buts de Hazard, 2 buts de Roux. Eh bah non, il s'est déconnecté, oh merde. J'espère que c'est pas une déconnexion du serveur encore. Non, bah il m'a offert la victoire, il est vachement fair play cet adversaire. Il m'a offert la victoire, c'est sympa. Parce que vraiment c'était un grand match. Dommage on n'a pas revu les buts. Je vous remercie d'avoir regardé cette sixième vidéo. Il reste 4 matchs. 3 x 4, 12. 12 et 7. 12 et 7. Alors, merde. Putain. 12 et 7, 19. Je ne pourrais pas être champion de cette 200e saison. Mais en tout cas... j'ai encore un espoir pour rester en division 1 dans cette 200e saison. Allez, à la prochaine, salut.